Salut à tous et à toutes, c'est MX Révolution XM. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Brothers. Alors aujourd'hui, je suis pas vraiment avec la Brothers, je suis sur un serveur qui s'appelle Underfight. Donc il y aura un lien dans la description pour aller voir le site et peut-être venir nous rejoindre. Là, je suis dans une fac. C'est la Vroom. Donc je suis avec des membres en fait de la Brothers, donc Zifrag et Rakin. Donc voilà, c'est une petite fac tranquille, hein. On vient pour jouer tranquillement et je vous explique le contexte. Je suis allé miner parce que bon, il faut bien miner, donc je suis allé miner avec une Silk Touch et on va vite fait voir bah, qu'est-ce que j'ai gagné. Là je suis allé avec, grâce en fait au à ce que à mes 30 levels, j'ai enchanté ah bah, voilà, une pioche en émeraude et j'ai eu fortune 3. Donc c'est parti en espérant avoir le plus possible de minerais. Hein. D'accord, bon, j'ai loot ça je ne sais où, je remonte dans un escalier. J'ai pris pas mal de redstone dans le but bah, tout simplement d'aller TNT. Je suis pas trop mauvais en TNT, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait de très très bons joueurs. Il y a des joueurs intéressants, mais dans le sens pas aussi bons que par exemple ceux de d'autres serveurs, va-t-on dire. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais j'ai pris tout ce qu'il faut pour faire de la TNT, comme ça on sera tranquille. Je ferai peut-être des vidéos en compagnie de la Brothers, ou alors carrément des autres membres de la Brothers vont en faire solo sur d'autres jeux. Je sais qu'en ce moment, moi là, vu que j'ai le bac, je peux pas trop y jouer, mais il y en a qui sont sur Arma 3, ils jouent sur du serveur modé, je crois, ou un truc comme ça, où en fait ils s'éclatent, quoi, tout simplement, ils font que ça. Donc ça a l'air sympa, je vous invite à y jouer, de toute façon ils vont sûrement faire des vidéos dessus, il y a de grandes chances. Hein, donc de toute manière, vous verrez par vous-même qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Alors bien sûr, je vais pas faire que sur ce serveur, hein, mais étant donné que j'y étais, là, que bah, les autres viennent de déconnecter, mais vu que moi j'y étais encore, j'ai bon, bah allez, c'est parti. On va aller un peu miner. Je suis pas mécontent, j'ai juste pas trouvé le meilleur minerai, je me rappelle jamais de son nom. Mais voilà, non, je suis content. Je commence par la redstone, juste après le topaz, parce que la redstone c'est ce qui allait me faire le plus chier étant donné qu'il y en avait le plus. Donc voilà, bon, ça me fait de la marge, ça on s'en fout. Hop, sinon je vais la garder pour refermer, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà, ça on va mettre là, maintenant. Donc voilà, mais en tout cas, je vous invite à venir jouer, c'est vraiment un serveur assez sympa. C'est vraiment un serveur tranquille, où le PVP, il y en a pas mal. Xifrag a déjà fait des vidéos dessus, donc je vous mettrai les liens dans la description, si vous les voulez. Il fait de très bonnes vidéos, oui, PVP, donc tant qu'à faire, il pourra mieux vous expliquer que moi, comme quoi il y a du PVP sur ce serveur. Moi, j'ai PVP 0 fois, je suis mort 4 fois, mais j'ai des raisons, c'était 2 fois dans la lave et 2 fois, comment? Une fois, c'est à cause d'un Wither, je crois. Et la quatrième fois, en fait, c'est parce qu'il y avait un event PVP box, je suis allé au PVP box, et en fait, ça m'a directement envoyé dans la zone où tout le monde se PVP, sauf que je n'avais ni stuff, j'étais no stuff en fait tout simplement, et ils m'ont défoncé en deux coups. J'ai pas fait grand chose quoi. Donc voilà, mais non, c'est sympa. Donc là j'étais level 0 je crois. Et je suis maintenant level 24. Ouais, je vois bien, 25 maintenant. Donc voilà, je suis pas en manque. Loin de là. On va faire. En fait, j'ai pris de la pile lazuli parce que je l'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, ça me fait un peu d'XP. Hein. C'est pareil pour la redstone. Je me suis dit, ça me fera de l'XP. Tant qu'à faire. Voilà, ça fait un petit peu. Donc voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'à la rigueur,
Je vous laisse ici et je reprends quand j'aurai un truc marrant à vous montrer ou une astuce ou du PVP, je sais pas. Allez, ciao ciao. Re tout le monde, c'est MX. Alors je vous explique, avec Ruffin, on a trouvé une base. On s'est fait déjà pas mal de P4, j'irai vous montrer mon truc tout à l'heure. On va TNT encore un petit peu parce que tant qu'à faire, hein. Qu'on se mette bien dès le début, voilà, donc ça repleut du stuff. Alors, est-ce que du P4 je pense pas cette fois? Ouais, non, y a pas, on n'a pas eu grand chose, j'ai eu ça, disons. Ouais, mais c'est déjà super, hein. On va tout poser. Tout ce qui est P4 et tout, on a déjà tout mis dans nos coffres. C'est un peu bâtard, mais on n'a pas cherché un peu à savoir qu'est-ce qu'on en faisait. On a direct dit vas-y, bats les couilles. On va poser, on sait jamais. Si quelqu'un se reconnecte, on aurait bien la défaite. Donc, on prend pas de risque. Est-ce que je peux. Tac. Je vais un petit peu m'élever. C'est pas contre eux, mais il me faut un peu plus. Même peut-être encore. Ah, j'ai peur qu'après je touche. Bon, allez, je teste. Est-ce que je touche? Oh. On va tester. J'ai peur là. Yes, c'est bon, ça a pété. J'ai loot. Attendez que je suis un bâtard, je vais aller juste chercher ce petit truc. Attention, Ruffin. Ah, le troll. Un petit peu pété, un petit peu déçu, putain, il me pique tout. De toute façon, on partage tout, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je vais juste choper ça, on sait jamais. Non, c'est que du P2, mais c'est déjà ça. Hein. On va pas pleurer sur ça. Je pense que on a déjà bien gagné. Ouais, je vous dis, après, j'irai vous montrer un peu mon. Donc, attends, je vais prendre l'XP hein, parce que l'XP. Alors, maintenant, sans TNT, ça va être plus compliqué. Prendre ça, c'est toujours utile. Tac, tac. Bon, en fait, on prend tout, hein. Faut pas se faire chier à. D'accord, ouais. Je m'attendais à mieux. Les livres, tac tac.
Je sais pas en fait s'ils ont compris ce que je leur ai dit. Oui, bon, ça c'était tout à l'heure, on a été sur notre truc. Ouais, donc en fait, on a vraiment pas mal de stuff. Je suis arrivé. Non, ça, je fais pas le. Je partage, mais pas à ce point non plus. Enfin, si on partage, on partage vraiment tout, même tout ce qui est stuff et tout, on partage, mais je vais le garder quand même juste un petit moment. Je vais juste aller au spawn pour vous montrer. J'ai pas loot beaucoup de P4, mais c'est surtout Ruffin qui a tout loot parce que le truc c'est que genre il a sauté en premier quoi. Tac, tac, tac. Ça c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà quoi, mon Stivers P4, désolé, hein, j'étais Ken hein, tout simplement. Donc voilà, ça on va le poser à la place de. C'est un truc de merde. Homme. Non. F-homme. Merde. Alors. Déjà. Tac. Ensuite, j'ai cru que j'avais jeté mes bâtons, j'allais me maudire. Mais quelle faille, mesdames et messieurs. Alors, c'est parti. Oh, j'ai juste fait un truc parce que j'ai pas de place. Ready. Voilà. On va un petit peu se cacher. Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. D'accord. Bon. Ça c'est le troll pas. Bon, je vais rien dire. Attendez, juste quand j'active, il fallait qu'il y ait une suppression des items quand même. Non. Pourquoi? Ah, alors attends. Avant le tir gratuit. Ah bon, ok, je vais rien dire. Merci. Bon, par contre, si vous êtes tous devant, je peux pas. Ah d'accord, ils sont un kiff, ils tirent. Bah écoute, merci, mais tu t'es loupé. Mais GG. Ah, bon, ok, je ferme ma gueule. Non, c'est bon, t'es meilleur que moi, j'avoue. Ok, c'est bon, tu m'as niqué. En plus, c'est ce connard de Ruffin qui a tout pris. Quand même dire merci. Hein. C'est pas tous les admins qui l'auraient fait. En parlant d'un certain zen. Ok, je comprends pourquoi je pouvais pas monter. Je ferai pas de pub, mais je dirais juste que certains ne l'auraient pas fait. Hein. Sans donner de nom. Mais par exemple. Non, le problème c'est que. Il y a un truc qui va pas. C'est ça. Je suis trop. Je sais, je suis con, j'aurais. Non, j'avoue, ça. Enfin, je pense qu'il va pas le faire parce que ça craint quand même de passer comme ça, enfin, genre de péter une base.
Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça le fait pas trop, on va dire. C'est plus bâtard qu'autre chose s'il commence à le faire. Enfin, je dis pas que. De toute manière, on la pète la base. C'est pas ça le problème, c'est que surtout vis-à-vis des autres joueurs, quand ils vont arriver, s'ils voient la vidéo et qu'ils voient, tiens, tu t'es fait niquer parce que Avgard a mis une bombe nucléaire ou je sais pas quoi là, une nuque, ça le. Enfin, j'avoue que moi, j'apprécierais pas. Donc, après, Avgard, j'ai rien contre lui et tout, mais. Et voilà quoi. Ça, on va enlever parce que je vais me faire niquer. Je vais avoir un loot de nouveau. Ok, ouais. D'accord. Je connaissais pas, j'avoue. J'ai failli faire une connerie, mais une très grosse connerie. On appelle ça du troll, bien sûr. Hein. Mesdames et messieurs, ça c'est fait. Bon, bah, il nous faut. Non! Je suis dégoûté. Faire un truc super simple parce que là ça m'a cassé les couilles. Re tout le monde, alors j'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Après au moins 5-6 creepers, donc il y en a un ou deux qui ont pété ici, il y en a un qui a pété par là-bas, enfin bref. C'était l'anarchie totale. On a réussi à péter les coffres. Pourquoi j'ai pas filmé alors que vous aviez dit que je filmerais très con. En fait, je vous explique, quand j'ai quitté l'enregistrement, ça m'a. J'utilise un logiciel qui fait que avant de pouvoir de nouveau retourner, enfin re-enregistrer, il faut bah, tout simplement que la vidéo soit uploadée ou enfin enregistrée sur mon ordinateur, et d'abord ils font un mini montage dessus. Bref. Donc du coup j'ai pas pu filmer, il y a eu un ou deux PVP, bon j'ai kill un ou deux mecs, mais genre un truc vite fait. Là n'est pas la question, ils étaient dégoûtés, ils se sont connectés en fait genre peut-être 10 minutes après qu'on ait fini de tout TNT. Qu'on ait fait ce beau truc, d'ailleurs ils ont un peu rebouché. Ils se sont connectés, donc on les a kill une ou deux fois, ils ont ragé, ils ont commencé un peu à nous insulter, et nous, bien sûr, enfin surtout moi, c'est moi qui ai mute, surtout. Moi j'ai un peu. J'ai pas provoqué, mais. Bon si j'ai un peu provoqué. Mais tendrement, j'ai pas non plus. Voilà. Mais bref, là n'est pas la question. Je me suis fait mute, ils se sont fait mute. Donc on a bien rigolé. Et voilà, donc je suis désolé, c'est fini. Là, il est en train de me montrer comment on allait faire notre avant-poste si on se retrouvait avec un avant-poste. Donc, bah. Ok, j'étais en train de lire ce qu'il disait. Donc voilà, après, il y en aura d'autres où cette fois j'essaierai de ne pas faire de fail et comme ça, je pourrai vous montrer tout ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à mon FOM pour vous montrer à peu près c'est tout ce qu'on a gagné. Bah, en fait, vu que je suis arrivé avant-hier, donc je l'ai déjà dit, on n'avait pas de stuff et donc là, on s'est fait quelques stuff, enfin quelques, quand même, un nombre assez important, voilà. Donc on était content. Ceux-là, ouais, on a commencé à les remplir, mais genre vite fait. Avec ce qu'on a, enfin ce qu'on avait, voilà, donc ici aussi je crois qu'il y a du stuff. Donc voilà, et en bas il y a.
Il y a nos spawners et tout, donc voili voilou. C'était surtout pour vous expliquer en fait ce qui s'était passé, m'excuser aussi parce que je vous avais dit que j'allais le faire et c'est même pas de ma faute en fait, c'est à cause du logiciel, j'essaierai de pas me faire avoir la prochaine fois. À la rigueur, je continuerai de filmer et au montage, je ferai une grosse ellipse. Enfin voilà, je suis désolé. Sur ce, je vais pas vous laisser plus attendre parce que la vidéo est quand même assez longue. Donc voilà, ciao ciao tout le monde et à la prochaine.